Les 17, 20 et 21 février 2014, des événements d'une rare violence ont provoqué de nombreux blessés et entraîné l'arrêt des cours à l'université Félix Houphouët-Boigny. Face à cette situation préoccupante, le conseil de l'université, sur convocation de Mme le professeur Bakayoko Liramata, présidente de la dite université, a tenu une session extraordinaire le jeudi 27 février 2014 de 15h30 à 18h45 en vue d'examiner les faits et de faire connaître sa position. Le Conseil considère que la maîtrise du calendrier académique 2013-2014 et l'instauration d'une paix durable sur le campus universitaire constituent une impérieuse nécessité et des objectifs prioritaires pour l'université Félix Houphouët-Boigny. En conséquence, le Conseil de l'université Félix Houphouët-Boigny, après délibération, 1. Condamne avec fermeté les actes de violence inqualifiables à l'encontre des étudiants. 2. Exprime sa compassion et sa solidarité aux blessés. 3. Demande à la présidence de l'université de porter plainte contre toutes les personnes qui se sont rendues coupables de violences contre les étudiants. 4. Demande la prorogation de la réquisition de la police nationale sur l'espace universitaire. 5. Décide de la suspension des activités de la police universitaire sur le campus en attendant qu'une solution consensuelle, gage d'une paix durable sur l'espace universitaire, soit trouvée. 6. Invite à la reprise immédiate des cours.